Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Fredito78. On se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Assassin's Creed où nous devions faire un truc, mais je m'en rappelle plus quoi. Faut retourner à l'abbaye. J'en ai rien à foutre. Ah, attends, il n'y a pas des remèdes. Monsieur le médecin, il est où déjà? Il est là-bas. Oh, pardon. Je suis en train de regarder la map. T'es où? T'es là. Déjà meilleure mine. Ah bon? Tu trouves que j'étais moche avant ou quoi, toi? La réputation de nos articles n'est plus à faire. Ah bon? Bah c'est bien, on est content pour... Ah bah, en plus, il faut aller... Non, descends, s'il te plaît, Ezio. Bonjour, mon oncle. Il est de retour. Notre campion est... Merci, Je merci. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle. Ouais, je veux une bière aussi, moi. Thierry est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, alcoolique. Les femmes. Ouais, les femmes, les meufs, ouais. Mais c'est vrai. Bien, Ezio, marchons. Ramène de la bonasse. Apprenez-en plus sur la villa et découvrez les pages du Codex qui y sont cachées. Les pattes y obéissent à un homme, un espagnol. Ah, pardon, excuse-moi, enfin, je te suis. J'étais en train de chercher le point d'exclamation. Ah bon? Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. D'accord. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Exactement. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? Je sais pas, mais il fait flipper, on dirait un exorcisme. Francesco de Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Et elle est où? D'accord. Je peux pas l'avoir sur toi, non, c'est pas possible. Putain, je te jure, sérieux quoi. Oh, dégage. Ah, voilà. Alors. Explique-moi. Tu les reconnais? Non. D'autres pages du codex. Ah, d'accord. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Ah. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Je sais pas, montre. Ça cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr. Altaïr. Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne question. Figure-toi que c'est justement pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je veux prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene. Rapporte-la-moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Vous avez remarqué que dans le premier il y avait un borne et là il y a encore un borne. Les lettres. D'accord. Et tu retrouves ça fait une lettre ça toi. Un M peut-être. Qu'est-ce que j'en sais. Alors attendez. Ce qui me proposait de lire la carte de machin chose. Inventaire. Objet. Plume. À déchiffrer une.
à déchiffrer une, mais je peux pas la déchiffrer. C'est quoi ce délire là? Bon, bref. Et tu la trouves où? Donc du coup. Ah, on peut débloquer des trucs, c'est bon ça. Bon, ça c'est la carte. Et ouais, mais je peux pas lire la lettre du padré. Donc c'est pas grave. C'est pas important. Faut que je sois encore en haut. Faut que j'aille voir encore les demoiselles, c'est ça? Putain, merde, fais chier. Faut pas faire que ça. Non, apparemment, c'est pas les demoiselles. Merde. J'ai pas de plume, qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous êtes déjà toutes déposées. Alors, peut-être que c'est dehors, peut-être. Apparemment, non. Bon, bah, ça va être là-haut, alors. Alors, ça. Putain, tu peux pas grimper, mais t'es naze ou quoi, toi? C'est pas là-haut non plus. Putain, mais eh, oh gros, faut aller où, là? C'est à quel étage? Il y a un sous-sol? Ça n'a pas l'air. Si seulement je savais c'était à quel étage. Attends. Destination. Ah, ça a l'air d'être par là. Coffre de plume. Non. Alors là, vous voyez, là, je suis ébahi, là. Je sais pas où je dois aller. Monter là-haut, on sait jamais. Bon, apparemment, c'est pas là. Ah, c'est là-haut. Sauf que j'ai déjà fait le truc, monseigneur. Ouais, t'es content, j'ai interagi, mais je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Là, je dois aller où? Faut que je trouve les pages du codec. Oh. Ils sont. Allez, hop. Fouillons, fouillons, fouillons. Après, il y en a une où? Il y en a une pas loin. Qui est plus par là-haut. Enfin, par là-bas, du moins. Je dirais par là. Oh bien. On va chercher celle qui est au loin là-bas. Ah oui, c'est vrai. Faut que je sorte par là-bas. Ce bruit. Y aura-t-il quelque chose là-haut que j'ignore? Bon, apparemment non. La sortie, c'est où déjà? Je sais plus, je me rappelle plus moi.
J'ai une mémoire poisson rouge. Moi j'irai pas. C'est ça, c'est pas grave. Je vais prendre un cheval. Hein. Ça ira plus vite. Un bel étalon. Allez hop, vas-y, grimpe. Grimpe. Non, mais je veux pas saisir ça, coup. Merci. Accélère! Attends, on peut passer par là? Apparemment, oui. Allez hop, c'est parti. C'est bien quand il y a des chevaux. Faut suivre le chemin. C'est tout ce que j'étais, moi. La page est par là. Comment t'es descendu, gros? T'es un malade. Bon, je prends le même. Et le dernier, il est où? Le dernier, il est là. Allez, c'est parti, mon cheval. Jolly jumper. Hop, je te laisse ici. Ouais, t'es content, moi aussi. Je passe un bon moment avec toi. Oh, tais-toi, c'est bon. Alors. J'ai vu un truc là-bas, c'est peut-être ça. Bonjour. Pardon? Je t'ai rien dit. T'es malade ou quoi, toi? Putain, mais il est où? Ah, il est... Voilà les pages du codec. Si vous déchiffrez 4 pages. Ah ouais! Alors, non, attends, ça c'est la carte. Inventaire. Objet. Page du codec. D'accord, en fait, faut que j'aille voir Léonard de Vinci. Bah écoute, Ah oui, d'accord. Je l'avais pas vu. Oh, puis merde. Petite marche, ça fera du bien. Puis en plus, on y arrive. Non, t'es pas capable de monter ce mur, mais t'es un rigolo, toi. Bonjour. Oh, vous êtes des merdes, les gars. Moi, ouais, je viens de vous déranger. Non, j'ai pas envie d'améliorer mes techniques de combat. Non. Alors, c'est pas là-haut, non, des fois, on sait jamais. De toute façon, non. Vu comment est le curseur, ça peut être que là-dedans. Et à mon avis. Oh, c'est quoi ça? Vos revenus s'élèvent à 0 florins. Ah bon? D'accord. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si Père était là, je ne passerais pas mes journées derrière un bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario aurait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien eu à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'extérieur. Si tu parviens à faire revivre cette ville, les voyageurs viendront y dépenser leur argent, même si je doute qu'ils s'aventurent dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça arrivait, je placerai l'argent dans ce coffre. Tu devras passer me voir régulièrement et apporter l'argent à la banque. Et quand le coffre se remplira, tout ce qui t'en trouve finira dans ma poche. Maline, c'est ta paye quoi. Monteriggioni.
Ok. Moi, je veux la manière, s'il te plaît. C'est joli, Monterigioni. Hein. Bonjour, t'es qui, toi? Bonjour. Est-ce que tout va bien? Cher Mario m'a engagé pour tout remettre en état. D'accord. Je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors, tout deviendrait possible. Vous devez être Sir Ezio. Je me trompe? Ouais. Mon oncle, cet architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de la mort. Il faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or, faites votre choix et je me mettrai au travail. Si vous construisez une échoppe, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après Sir Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs, et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Banque, ok, forgeron. Mais forgeron, on l'a pas déjà. Ah oui, d'accord, mais. Médecin, on l'a déjà. Tailleur. Maison de passe. Prédomination de passe pour augmenter la valeur de la cité. Mine, votre. Rouvrez les mines pour augmenter la valeur de la cité. Rénover l'église pour augmenter la valeur de la cité. Va rénover une banque. Un marchand d'art. On va faire d'abord tous ceux qui sont pas chers. Hein. Un tailleur. Après, ça coûte. Bon voyage. Eh, refais jamais ça. Bon. Et je dois faire quoi maintenant? Je vais aller voir mon tonton. Bonjour, tonton. T'es où, tonton? Il est là, tonton. Ezio, mon garçon. Oui, ma fille. En tant que je te montre quelque chose. Ah. Passage secret. Bien évidemment. Devant une bibliothèque, faut que je te montre quelque chose. Faut pas y avoir grand chose dans un château. Enfin, dans un machin. Mais donc, tu cours. Tu cours, là, dis donc. Mais dis donc, c'est que c'est beau, ça. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerai bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout en Italie, et de tombeaux remplis de trésors où les six assassins auraient été déplacés il y a des siècles. Qui sait? Il y a peut-être un rapport. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins. Mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance. D'accord. Donc en fait, tu le truc... Tu es parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Ouais, ouais, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est en fait... Wei Yu, l'assassin chinois. Ok, tu ressembles pas vraiment à un chinois, mais enfin bon... Là on a Darius, ok. Là on a Kulan Gal, c'est un mongol, bah bravo. Oh, une femme, t'es qui toi? Amunette, ah non c'est un mec, autant pour moi. Ah c'est une femme, Iltani, l'assassin de Babylone. Et enfin, Leonius, ok,
Et en fait, à mon avis, donc là, vous voyez, il y a six symboles pour récupérer l'armure d'Altaïr. Ça, c'est dur à dire. Et en fait, à mon avis, chaque symbole est représenté par une de ces statues. Ok, donc je vois la chose. Voilà, pas de frise. Pas de frise, s'il te plaît, merci. Et bien, pourquoi tu frises comme ça là d'un coup là? Oh! Pas ce qui se passe là d'un coup, le jeu il frise un peu là. Il a l'air de se calmer pour le moment. Plutôt que je dois aller là-bas, je sais pas ce que je crois que c'était l'orage. Yala, s'en fout. Mais attends, on doit aller où là? On s'en fout du tailleur. D'accord, ouais, bah, enfin, je prenne le cheval. Ryu, Jelly Jumper. Ah, c'est plus joli, Jumper, ça. Hein. Allez, c'est parti. C'est Johnny, mais pas Jumper. Vers Florence, voulez-vous vraiment vous rendre à Florence? Oui, bah oui, j'ai une mission là-bas, couillon. Ils sont pas vite vite des fois. Ouf, construction. République Florentine 1478. Ah ouais, mais s'il faut 20 jours pour construire une ville là. Alors, que dois-je faire? Ah, c'est Leonardo da Vinci? Leonardo? Ah. Ezio, t'es Putain. toujours en vie? Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces 2 dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon ami. Ah, tu en as trouvé une autre. Très J'en ai cinq. intéressante. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh. Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des plans, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Bah, je sais pas, c'est toi l'architecte. Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà. Mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hey, Vincenzo! T'as un assistant? Entraînez-vous à de nouvelles techniques d'assassinat pendant que Léonard travaille sur les pages du codex. Bon, je pense pas qu'il y aura... Il est où Vichonzo? Vichonzo? Vous pouvez perpétuer un mode profil actif ou passif. En mode profil passif, les risques d'être repérés sont réduits. Ok.
Bon voilà, Leonardo. Retourne à l'atelier de Leonardo. T'as fini, Leonardo? J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Vas-y, montre. Tiens, essaie-le. Qu'est-ce que c'est? Merci, Leonardo. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La volpe. Le renard? Chut. Je comprends. Mais sais-tu où est la tanière de ce renard? Eh bien, près du mercato, où vivent les voleurs. Sois prudent, mon ami. Près du mercato. Donc c'est là où on fait les transferts. D'accord. Alors attends, faut que j'aille là-bas. C'est ça. À ceux qui trouveront mes articles trop chers, je répondrai que la qualité a un prix. Aurait-il perdu la raison? Ouais. C'est ça. Oh putain, il y en a un là-bas. Je propose des articles de ferronnerie exceptionnels. Mais où est mon assistant? Il était là tout à l'heure. Mais j'y suis plus. D'accord, ouais, c'est pas ce qu'il a dit l'autre là, mais on s'en fout complètement. Mais c'est où? D'accord, c'est par là. Alors, chasse au renard, trouvez la volpe, le renard près du mercato Vecchio. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je monte là-haut. Bah, apparemment, non. Ah, je l'ai trouvé. Attendez. Ah,
Quoi? Ma bourse, mon argent! L'argent? Je ne l'ai pas, ton argent! Reviens ici! Non, toi, viens! Tu commets une grave erreur, mon ami! Bon, ça suffit! Si t'en as assez, alors abandonne! Rends-moi ce que tu m'as volé! Ce serait avec plaisir, mais c'est impossible! Si je t'attrape, je te jure! Eh bah, c'est fait. J'ai pas vu qu'on pouvait plaquer au sol. Je ne tiens vraiment pas à te faire du mal. Alors rends-moi mon argent et n'en parlons plus. Pas si vite. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? On m'a affublé de tous les noms. Meurtrier, égorgeur, voleur. Mais toi, tu peux m'appeler la Volpe. C'est toi, la Volpe? À votre service, Messer Ezio. Comment connais-tu mon nom? Rien de ce qui se passe dans cette ville ne m'échappe. C'est pour ça que tu es là, non? Exact. Je recherche quelqu'un. Je veux être informé de tous ses faits et gestes. Qui? Francesco De Pazzi. D'après la rumeur, une caravane en provenance de Rome vient tout juste d'arriver. Une rencontre secrète aura lieu ce soir à la tombée du jour. Si tu y assistes, tu apprendras peut-être où est Francesco. Sais-tu où cette rencontre se tiendra? Ah, bien sûr. Je t'y conduirai quand tu seras prêt. Fais-moi signe. Mais je suis déjà prêt. Oui. Voici ton argent. Ah, merci. Suis-moi. Il ne faut surtout pas. On se laissera après cette mission. Tu seras à la hauteur. Je t'en précisais. Alors, retrouver la Volpe à Santa Maria Novella. Et moi, je peux bouger? Alors, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai demandé de me suivre. Bah, j'aimerais bien. Allez, grimpe! Grimpe! Oh là 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 là. Merci pour le bug, je t'ai jamais demandé, c'est pas grave, vas-y. Eh bah t'as de la chance. Nous y sommes. Francesco De Pazzi va retrouver ses complices à l'intérieur de cette église. D'accord. Comment vais-je entrer? Il y a des catacombes creusées partout sous la ville. Elles te conduiront à un endroit d'où tu pourras espionner leur conversation. D'accord. Agrippe cette poignée, fais la pivoter et glisse là vers le bas. Merci de m'avoir aidé, Volpe. Buona fortuna. Ok, donc faut que j'aille là-bas. Et lâche. Je me suis pas fait voir, c'est bon ça. Personne m'a vu. Mmh.
Ouah, des catacombes, gros! Il faut aller jusque là, c'est ça? Pénétrer dans les catacombes de Santa Maria Nova, là, pour assister à la réunion des Templiers. Ok. Putain, tu rentres par où, là? Ok. Ah, j'ai pas vu en bas. Ah merde, c'est... D'accord. C'est là. J'ai pas vu. À droite, c'était du feu, donc c'était pas ça. Elle est magnifique, quoi. Je dois aller par là-bas. C'est ça. Ok. Faut que j'atteigne où? Là pour un levier, ok. Un vrai jeu d'enfant. D'accord, mais alors attendez. Elle me dit pas que je peux pas remonter. Là t'abuserais franchement. Par où je peux remonter? Par là peut-être? Non. Elle dit non, va par là, je m'en fous. Peut-être par là. Non? Ah, par là. T'es bien. Là, je vois pas. Là. Attends, on peut pas aller plus haut. Il y a un trou là-haut. On y va comment? Ouais, je grimpe. Attendez. Comment on peut grimper? D'accord, je crois savoir. C'est pas évident. Combien de temps on va devoir rester ici, ça veille? Il fait pas très chaud. De quoi tu te plains, Hilario?
Les Serpazzi nous paient grassement pour surveiller l'entrée. Et on n'a rien à craindre des morts. J'ai hâte de rentrer chez moi et de montrer à Hélène la petite fortune qu'on a empochée ce soir. Ouvrir la porte qui mène à un truc principal. Attends, j'étais passé par où? Donc ils sont peut-être vers le haut. Là, je peux monter. C'est pas évident. De manière, j'ai fait le tour là. Ah, pas là-bas. Et pourquoi t'as pas eu le temps de parler, gros? Allez, on ouvre la porte. Non, c'est pas fini. Oh putain, nom de Dieu, mais oh là. Oh. Ils sont malades, les gars. Bon, apparemment, il faut passer. Ah, attends, il y a un truc à. Vache. Et Juju. Qu'est-ce qu'il faut pas pour ouvrir une porte, sérieux? Merde, la porte. Reste aux aguets, je vais jeter un coup d'œil. Tu croyais que ce serait de tout repos? Je te dis qu'on n'aurait jamais dû venir. Au moindre bruit, je fonce à l'autre poste de garde, avec l'aide de Dieu. D'accord. Il n'y avait pas... Si, je crois que c'est là-bas. Non. Gros. Là-bas, tu peux pas y aller. Ah. Non, c'était pas là. Comment on fait déjà? Je sais plus. Ah, j'ai plus de couteau.
Bon, attendez, je cherche juste. Il me semble qu'il y avait un endroit pour se cacher, mais je sais plus. Oh, le trou. Celui qui regarde par où là-bas. Ah d'accord. Merde, il va falloir que je reste là-haut. Putain. Ça va pas être facile, je vous le dis les amis. Ah, c'est là-bas. Mais est-ce que quelqu'un y va en fait? Personne. Lui s'en va. Si, il y en a un qui va, putain. Je suis chanceux. Voilà. On n'a plus qu'à attendre le zozo qui arrive. Et je crois que c'est l'autre là-bas. J'espère que t'es en paix avec Dieu, mon garçon. Putain, y a même pas eu de cri, gros. Ça va, Elion. Je vais revenir avec les autres gardes. Oui. Je crois que je suis tiré d'affaire. Laissez-moi tranquille! Je ne te laisserai pas m'avoir, oh non! Tu paries? Hop, hop, hop! Enfoiré, à là-bas. Non mais. Qu'est-ce que tu me fais là, Dio? Allez! Ouais, bon, bref. C'est mort quoi. Mais grain. Putain. Hey, Dio! Il a trop d'avance. Allez, Dio, putain de bordel, oh là là, mais. Et là, il est passé par là. Pas question de rester ici, sinon il va me tuer. Oui, je crois que je suis tiré d'affaire. Ah, enculé, à chaque fois il me fait le coup. Je suis poursuivi. Mais je peux pas aller plus vite que lui, c'est quoi ce Bins là? À moins que c'est fait exprès, mais.
Est-ce que j'ai vraiment le choix? Non mais... On va fouiller. J'ai pas la thune, gros. On va commencer par là. Putain, j'aurais su que la mission était aussi longue. Putain, j'aurais coupé avant. J'aurais dû me remettre un peu de santé. Bernardo. Tout est là. Épée, gourdin, hache, armure, arc. Nos hommes ne manqueront de rien. Dois-je en déduire que vous avez le consentement du pape? Non. Il nous a accordé sa bénédiction. Dans la mesure où personne n'est tué. Nous sommes prêts à nous rendre au dôme demain matin. Tout est en place, mais ça n'a pas été sans mal. Son idiot de frère ne cesse de changer ses plans. Ouais. Il faudra avant tout s'assurer que Giuliano ne traîne pas au lit et qu'il ira à l'église demain. Qui a-t-il, Jacopo? Vous pensez qu'il se doute de quelque chose? Impossible. Les Medici n'ont rien remarqué. Ils sont trop stupides ou trop arrogants. Ou un peu des deux. Ne sous-estimez pas nos ennemis, Francesco. Auriez-vous déjà oublié le sort qu'ils ont réservé à votre fils? Cette fois, rien ne viendra contrecarrer nos plans, maestro. Vous avez ma parole. Molto bene. Je dois vous laisser. Il se trouve que j'ai d'autres affaires à régler avant de rentrer à Rome. Messieurs, demain, une nouvelle ère s'ouvrira pour Florence. Puisse le père de la sagesse nous guider. Puisse le père de la sagesse nous guider. Et tous en même temps, ça aurait été mieux. Ouvrez le sarcophage. D'accord. Regardez cette statue. Il y a exactement la même dans la Villa Auditore. Je crois que tu as découvert l'un des tombeaux d'assassins dont parlait l'oncle Ezio. D'accord, mais juste avant, j'ouvre les coffres. Maintenant qu'on sait comment entrer, je vais marquer chaque lieu qui renferme un tombeau dans la base. On peut voir ? Oh. C'est bon, c'est un autre coffre là en fait. Avoir la lumière du jour, ce serait bien parce que franchement... Non, dis pas que ça continue. Ah, peut-être pas. Je sais que la vidéo sera longue, mais malheureusement,
J'ai vraiment envie de faire une mission, et le problème c'est que la mission là a duré trop longtemps. Je sais où et quand je peux trouver Francesco, mais... Qu'y a-t-il? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote au juste? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au dôme. Les Medici assisteront à l'office de dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident. Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu es chaud, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas, je te le promets. Puisses-tu seulement dire vrai? C'est bon, on a fini? Eh bien, dis donc. Alors, ce que je vous propose, c'est avant que je zappe, on va aller à la maison Auditore. On sort par où? Putain, qu'est-ce que j'en sais, mon sort-nous? Vers la Toscane. Montelligioni, ouais. C'est par où? C'est par là, ok. On va prendre l'échelle. Hein. On va mettre le seau, bien évidemment. Toi, t'es mort. Je t'avais prévenu. Hein. C'est quoi ça? Ah, il y a une plume. Excusez-moi, je prends la plume. Allez, direction Montelligioni. Oh, il y a un coffre. Excusez-moi. Je fais des choses qui sont pas prévues là. Non. Il remonte par où là? C'est bien beau tout ça. Ah, peut-être par là-bas. Non? Je sais pas, on va déjà monter là-dessus. Putain, ça va bien mener quelque part ça. Tu l'auras pas, bah, c'est ton problème. L'Estégon de la Venise. Oh, on peut fouiller les gondoles, c'est bon ça. Ah, je peux monter par là. Puis ce qui est bien, c'est que là, on peut plonger. Vous mourrez pas. Non, montez pas la petite fenêtre là. On peut pas. C'est merveilleux. Allez. Bon, désolé pour la vidéo qui sera hyper longue, je pense. Mais voilà. Pourquoi il y a toujours un truc pour m'embêter? Qui c'est qui fait ses prières là? Ça fait flipper votre truc là. D'accord. Wow. On va synchroniser du coup, comme je passe devant. Mais bon. Notre santé est faible, mais je viens de la restaurer, couillon. Yeah.
Bah fais-en, qu'est-ce qui t'en empêche? Alors pour ceux qui se disent oui, pourquoi tu y vas et tout, c'est... Putain mais c'est encore loin, sérieux? Florence est une belle ville, mais c'est grand. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ah, c'est peut-être des gens qu'on emploie, non? Ouais, je sais. On sort par où là? Ah, il y a une porte là-bas. On fait la vision d'aigle, on la fera plus tard. Bonjour. C'est un cheval ça? J'en fous. Allez. Ça revient à ce que je vous ai dit. Hein. On va mettre le saut et on s'arrêtera là. Yeah. Pas beau ce que je viens de faire, hein. Tiens, on va peut-être faire une chose. Deux choses. Enfin, une en deux, on va dire. Bonjour. Vas-y, on va... Salute, Serezio. Voulez-vous consulter... Non, je m'en fous. Désolé. Donc, 3000 florins. Oh, j'en ai 11000 et quelques. Oh, on va pas faire des choses, là. On va faire les 4000 pour ça, pour la mine. Et l'église, allez, on va la rénover. Et il me reste 82 florentins. Ok, on est d'accord. Bon donc, voyage. Mais de rien. Collecter les revenus. Voilà. J'ai vite fait mettre la plume. Que j'ai récupéré dans le machin. Voilà. Et tu me fais idiot. Putain, mais... Ah, ça fait une carte exacte, oui. D'accord, ok. Donc on a mis les pages sur le mur. On va les mettre l'emblème là où il faut. Je sais pas ce que j'ai comme emblème, mais... Ah, c'est celui-là.
Voilà, un sou de placé. Checkpoint 1, ça sauvegarde, voilà. Donc les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Elle a été très longue la vidéo, je le sais. N'hésitez pas à la commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez chaud patate et on se retrouve une prochaine fois pour la suite des aventures d'Ezio. Bye bye.